Nous partons pour le tribunal correctionnel de Paris où se trouve Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Les premières comparutions devant la justice cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris. Et ce, après évidemment les dégradations commises samedi sur les Champs-Élysées. Chloé, on a vu cet après-midi des jeunes garçons, des jeunes filles au profil hétéroclite. Ah oui, effectivement, ce sont des jeunes hommes pour la plupart, de moins de 30 ans, une seule fille cet après-midi, la plupart avec des casiers judiciaires vierges et des situations de vie assez variées. Alors, cela va du sans-emploi ou formation à un jeune qui est en formation diplômante ou à des salariés en CDI. Il y avait par exemple un futur chauffeur de bus à la RATP, un futur courtier en assurance, il y avait aussi un surveillant pénitentiaire, un employé du Futuroscope de Poitiers, un jeune électricien et même un conseiller financier en Suisse. Alors, question revenu, cela allait donc des aides sociales à un maximum de salaire de 8000 euros par mois pour le conseiller financier de 26 ans. Alors, aucun n'a revendiqué devant le tribunal une appartenance politique, qu'elle soit de droite ou de gauche. Certains ont réaffirmé leur envie de manifester. L'un des jeunes a dit aussi qu'il était venu faire des vidéos à partager sur Facebook. Il a été arrêté avec des bouteilles de parfum et du gel douche de grande marque ramassées après le casse d'un magasin. Et même si certains étaient équipés de lunettes de piscine, de cagoules, de gants, de bombes lacrymogènes ou de couteaux et de pavés, eh bien tous ont nié être venus pour casser. En tout cas, la plupart ont demandé le renvoi de leur procès. Ça sera donc tout début janvier. Et pour les autres, à ce stade, la procureure a requis quelques mois de prison avec sursis. Merci beaucoup, Chloé.